Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver et je vous remercie d'être là pour cette dernière vidéo. Je vous avais laissé sur le dernier épisode à R-sur-l'Adour, à la chapelle des Ursulines. Vous allez m'y retrouver donc le matin avec la table qui a été mise pour le petit déjeuner. À plus tard. Alors, nous venons de quitter R-sur-l'Adour et là, on passe devant le lac du Brousteau. Il y a beaucoup de brume. Nous sommes le 15 octobre. Nous avons normalement 34 km à faire. Bonne journée à tous. Rectificatif, c'est le lac du Brousseau avec deux S. Voilà, petite erreur de ma part. J'étais troublée parce que j'avais mes amis pèlerins qui me regardaient. Voilà. On voit pas grand chose. C'est génial. Bisous, bonne journée à tous. Le départ d'Arzac ce matin. Le chemin passe entre les lacs. Il faut savoir que dans cette région il y a des lacs. Je ne vous donnerai pas les noms, j'ai pas pensé à les enregistrer. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 15 ou 16 octobre. Il y aura 20 km de pour moi. Didier reste avec moi. On va s'arrêter à Pomps. Et mes deux autres amis du chemin vont peut-être continuer sur 10 km de plus. Moi hier j'étais très fatiguée, j'avais mal partout à l'arrivée. Donc aujourd'hui petite étape, repos. Mais je vais bien quand même, bonne journée. Clocher d'Arzac. Ah, quel spectacle!
le Béarn le matin. C'est-il pas beau? Il a plu cette nuit. Mais on devrait avoir une belle journée. Pas un seul nuage. Bonjour à tous, nous sommes samedi 17 octobre, je suis partie de Pomps avec la lampe frontale et accompagnée de Didier, Laurent et Marian, ou André selon les jours, sont partis hier, nous ont quittés, ils ont fait 10 km de plus. Avec Didier on avait choisi de faire une petite étape, lui pour sa blessure, sa périostite, moi parce que j'étais fatiguée de la journée d'avant où il y avait 34 km. Voilà, donc on a récupéré, on est parti de nuit, juste au lever du jour. Et voilà, c'est beau. On va assister à vraiment un joli lever de soleil avec de belles couleurs. C'est ça que j'aime le matin. Il fait froid. Il a dû geler cette nuit encore comme la nuit dernière. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera 27 km pour atteindre, je ne sais plus le nom du village, où on pense qu'on va trouver le gîte communal ouvert. On espère. Voilà. Bonne journée à tous.
villages réarmés à une passion et amour de leur terre. Je suis né à Sola. Je fais partie des dernières personnes qui sont nées à Sola depuis. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Et bien voilà, direction Navarinx, départ ce matin à 7h30. Et là, juste en face, je vois la montagne avec de la neige. On approche de Saint-Jean-Pied-de-Port et c'est magnifique ce lever de soleil. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On est dimanche aujourd'hui. J'espère qu'on trouvera de quoi se ravitailler. Je suis toujours avec Didier. Il ne me lâche pas et tant mieux. Voilà, bisous à tous, bonne journée, bon dimanche. Le lever de soleil, on vient de partir de la chambre d'hôte, car hier soir c'est une chambre d'hôte et non un gîte. Le couple, 80 ans à peu près, était super sympa. On a été accueillis comme des rois. Nous sommes leurs derniers pèlerins, Didier et moi. Nous avons fermé leur saison et ils étaient heureux comme tout. La dame voulait nous garder, Marie et Émile. Super couple, vraiment gentil. Voilà, on a passé une super soirée, on vient de démarrer et aujourd'hui c'est direction Astabat. Nous avons, je pense, dans les environs de 25 km. Voilà.
À bientôt. À plus tard.
Et oui, les amis, c'est fini. L'aventure s'arrête là. Mes amis m'ont dit au revoir au train. J'ai versé ma petite larme. Mais on a décidé de garder le contact. Et un mois après, nous sommes toujours en train d'échanger avec l'espoir de se revoir un de ces jours. Au cours de mes différentes vidéos que j'ai faites là sur ce chemin, les 4 épisodes, j'ai reçu des demandes pour savoir quel était le poids de mon sac et surtout ce que j'avais emporté pour le bivouac. Donc j'ai réfléchi et je pense que je vais vous faire une vidéo qui traitera de ce sujet-là. J'en avais fait une pour mon voyage l'année dernière en gîte. J'avais fait déjà une vidéo sur mon sac, le contenu de mon sac. Et là, c'est différent puisque j'étais en bivouac et en autonomie complète quand je suis partie. À bientôt!